Good morning, allez-y, Daniel Chifre, aujourd'hui les Longishmat, François Fragi Ben Chana, Janine Ruth Bad Fortune Mazal Fritna et Claude Shlomo Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Gitin, Berektet, Mishnah Tet, Yatsa Shma Ba'ir Mekudeshet, Arezo Mekudeshet, Megoreshet, Arezo Megoreshet, Bilbad Shalosham Amatla, Ezo Yamatla, Geresh Ishploni et Ishto Altnai, Zarak la Kidushia, ça fait Karovlo, Zoï Amatla. Je traduis directement, Yatsa Shma Ba'ir Mekudashet. Il est sorti un nom dans la ville qu'elle est fiancée, eh bien un réseau Megoreshet. Elle sera fiancée. Megoreshet, et si elle est sortie sur elle un nom dans la ville, qu'elle a été divorcée, eh bien, un réseau Mégoréchette, on la présumera Mégoréchette. De quoi on parle exactement? On parle d'une rumeur, tout simplement. C'est qu'en fait, on cherche à savoir, il y a une femme maintenant qui va venir, qui veut se marier au Beddin, elle veut se marier avec Shimon. Alors, sur ça, il faut juste être sûr qu'elle est jeune fille. En général, on ne soupçonne pas une jeune fille d'avoir été mariée une fois dans sa vie. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une fille qui a eu une rumeur sur elle qu'elle a été mariée. C'est-à-dire, moi, j'habite dans mon quartier, on a entendu que la fille des Lévis, elle se marie. Ils habitent pas loin là-bas, la fenêtre là, tout au fond là-bas, c'est chez eux. J'ai vu qu'effectivement, il y a deux semaines, il y avait une très grosse ambiance chez eux à la maison, ça avait l'air de chanter, de danser. Et j'ai vu même d'ailleurs que tous les s'entendent qu'il y avait un mariage qui se passait. Ça, plus le fait qu'il y a une rumeur que la fille Lévi, elle s'est mariée, eh ben ça suffit maintenant pour la soupçonner, la présumer plutôt, la présumer mariée. Mariée ou fiancée, c'est-à-dire Kiddushin, la présumée mariée. Donc si maintenant, cette fille-là, maintenant, elle veut se marier avec Monsieur Shimon, on va dire, mais non, il y a une rumeur qui court qu'elle était mariée avec Reuven, apporte-nous une preuve ou deux témoins qui n'a rien eu avec Reuven, parce que pour le moment, on la soupçonne qu'elle était mariée. Par contre, et de même inversement, si ensuite, nous, on n'est pas des témoins de premier niveau, on a juste une rumeur qu'elle a été divorcée aussi. Alors, dans ce cas-là, ça suffit d'avoir une bonne rumeur qui court pour dire qu'elle est divorcée, pour la présumer divorcée. On parle cette fois-ci d'une femme qui a été, qu'on va présumer mariée parce qu'il y a une rumeur. Alors là même, s'il y a une rumeur ensuite qui va sortir pour dire qu'ensuite elle a été divorcée, alors on va se fonder sur la rumeur. Une femme en général, qui était Becheskat Nesua, une femme qui était censée être mariée, il y a une rumeur qu'elle a divorcé et qu'elle vient, qu'elle dit oui, je suis divorcée, maintenant je vais marier avec quelqu'un d'autre. Nous, on ne la croit pas. Il faut qu'elle apporte des témoins, qu'elle apporte son guette. On ne peut pas avec une rumeur. Mais là, puisque c'est une femme qu'on a présumée mariée grâce à la rumeur, alors elle pourra ensuite, si toutefois il y a une rumeur qui court ensuite qu'elle a été ensuite divorcée, eh bien on se fondera sur la rumeur. Sur le même niveau. Le même niveau qui interdit la femme. C'est le même niveau qui va la permettre, et c'est bon, d'accord? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, la Mishnah continue en disant, mais attention, Bulvad Shaloi Esham Amatla, mais à condition qu'il n'y ait pas sur ça une Amatla, une cause qui va soupçonner du contraire. De quoi exactement? C'est-à-dire, on a une femme, donc, qui a été présumée fiancée, et on voit effectivement qu'il y avait de l'ambiance chez eux à la maison, donc 1 plus 1 égale 2, il y a une ambiance de mariage chez eux à la maison, il y a une rumeur qui court qu'elle était mariée, et bien ça veut dire que c'est elle qui était mariée. Mais à condition qu'il n'y ait pas ensuite quelque chose qui va venir contrer cette rumeur avec qu'il n'y ait pas une cause qui va atténuer ou casser la rumeur. C'est-à-dire, par exemple, la Michel va nous donner l'exemple. Et Zoé Amatla, j'ai pas trouvé de bon mot. Le mot Amatla, littéralement, ça veut dire que ça vient de Machal. Ouais, Matal, on a rien, ça fait Machal, qui n'a pas eu. J'ai pas trouvé la bonne traduction. En tout cas, Ezoï Amatla, quel est le bon soupçon qui va casser la rumeur? Que par exemple, Geresh Ishploni et Ishto Altenai, qu'en fait, il va y avoir une rumeur qui va courir qu'en réalité, c'est vrai qu'elle est divorcée, mais elle est divorcée en lui posant une condition, et que dans ce cas-là, probablement la condition n'a pas été remplie. Ou encore, Zarak Lakidoshea, ou bien encore que quand il a marié, il a jeté les Kiddushin, ça fait Karovla, et c'est un ça fait qu'est-ce qu'ils ont fait près de lui, près d'elle. Tout ça, ce sont Zohi, Amatla, ce sont ça les
soupçons qui vont casser la rumeur. J'explique de quoi on parle exactement, parce que le principe, c'est simple. C'est qu'en réalité, on va prendre le cas, on a dit qu'il y a les deux cas. Il y a le soupçon qu'elle était. Il y a la présomption qu'elle était mariée et la présomption qu'elle était ensuite divorcée. Pour le mariage, donc, tout le monde raconte qu'elle était mariée, mais après, quand on va commencer à poser des questions aux voisins plus proches qui étaient là-bas sur place, ils vont dire: ah, laisse tomber, tu vois, tu ne croiras pas. En réalité, il a voulu lui donner les kiddushin, il lui a jeté, elle était à 2 mètres de lui, il lui a jeté les kiddushin, la pièce ou la bague, elle est arrivée, on n'a pas su définir ce que ça arrivait près de lui ou près d'elle. Et finalement, chacun est rentré chez soi et puis on a laissé tout comme ça en plan. Et donc il y a eu un doute, il y a eu un safek kiddushin pour une femme qui était Breskat Pnouya, qui était pour le moment présumée être non mariée. Et il y a eu un doute, est-ce qu'elle s'est mariée ou pas? Dans le doute, elle reste pas mariée. Il n'y a pas besoin de donner un guet. C'est d'accord, ça fait kiddushin. Kiddushin, ça fait karovlo, ça fait karovla. Donc on a des kiddushin, il y a un doute, est-ce qu'elle était mariée ou pas mariée. Et la Mishnah vient me dire, en fait, tu sais, je t'ai dit de te fonder sur une rumeur, mais que si la rumeur elle est réellement fondée comme il faut, qu'il y a eu des vrais kiddushin, que finalement, il n'y a pas eu il n'y a pas eu ensuite de contre-rumeur, si je peux dire, qui est venue détruire la rumeur du mariage. Parce que si jamais il y a eu en réalité, une fois que le bruit a couru qu'elle était mariée, en réalité on a compris que c'était un mariage, mais que c'était un mariage pas tellement réussi, alors ça, de nouveau, ça va casser la rumeur. D'accord? C'est le principe. Et la Mishnah, elle évoque deux exemples. Le premier cas, c'est donc le deuxième cas qui est apporté plus tôt, c'est que le jeté des kiddushin, ça fait près de lui, près d'elle. Ou encore, c'est que tout simplement, c'est vrai qu'il y a eu une rumeur qu'il a divorcé ensuite, mais en réalité, quand on a un peu prêté oreille, on a réalisé que la rumeur, elle disait que non, il a divorcé à condition que si toutefois. Et donc, dans le doute, on va présumer qu'elle n'a pas été divorcée finalement, et dans ce cas-là, on va la laisser en situation de kiddushin ou bien de girushin, c'est-à-dire, en deux mots, on se fonde sur une rumeur pour permettre ou interdire une femme, comme on a évoqué. Mais si toutefois il y a un doute sur la rumeur elle-même, alors la rumeur elle tombe à l'eau et puis on laisse la femme dans l'état où elle était. Soit, si elle était présumée jeune fille et qu'il y a une rumeur qui est venue l'interdire en lui disant qu'elle est mariée, si la rumeur elle est plus aussi formelle parce qu'en réalité il y a une rumeur mais pas assez nette parce que elle a peut-être mal été quand même mariée ou mal été divorcée, ou, dans ce cas-là on la laisse dans la situation où elle était avant et c'est tout, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vsela.